Comment faire la différence entre une baisse d'énergie, un blues ou une dépression? Le manque d'énergie est une expérience courante qui touche des personnes de tous âges. Elle peut être décrite comme un sentiment temporaire de fatigue ou de manque de motivation. Contrairement à la dépression, le manque d'énergie est généralement de courte durée et a des causes claires, telles que le manque de sommeil, un effort physique ou mental trop important, les carences nutritionnelles ou le stress chronique. Le blues désigne des sentiments temporaires de tristesse ou d'abattement émotionnel. Ils sont généralement liés à des événements spécifiques de la vie. Contrairement à la dépression, le blues est plus léger et disparaît généralement de lui-même. Les facteurs déclencheurs les plus courants peuvent être des événements stressants, des revers émotionnels ou encore des pertes mineures. Les changements saisonniers, en particulier en hiver lorsque la lumière du jour est limitée, peuvent contribuer à une baisse d'énergie et intensifier le blues. Le trouble affectif saisonnier est un sous-type de dépression qui suit un schéma saisonnier, commençant généralement à l'automne ou en hiver et se terminant au printemps. La dépression est un trouble mental grave qui va au-delà d'une tristesse ou d'une fatigue passagère. Elle affecte la façon dont vous pensez, ressentez et fonctionnez au quotidien. Contrairement au blues, la dépression est durable, persistant généralement pendant 2 semaines ou plus, et nécessite un traitement professionnel.